Vous pourrez danser à la guinguette de Montbazon, c'est tout près d'ici, de 16h à 21h. Je ne voudrais pas oublier non plus de vous annoncer qu'on danse à Fléry-la-Rivière aujourd'hui chez Mick Bréhin, à la guinguette de l'étang de la Reuil. Cet après-midi également à la Clé de Sol, 66 route de Tours à Vierzon. Et vous y dansez aujourd'hui avec, j'ai pas le programme, je suis bien avancé, mais enfin de toute façon il y a un orchestre qui vous attend pour vous faire danser là-bas. Puis je vous informe que le dimanche... Cette voix-là, tous les fans de musette de la région la connaissent. C'est celle de Jean Brun, animateur sur Bleu Touraine d'une émission d'accordéon. Bonjour Clémence. Bonjour. Tu as quel âge Clémence? 14 ans et demi, bientôt 15. Bientôt 15, et tu joues de l'accordéon? Découvreur de jeunes talents, Jean Brun est un homme heureux, car sur son agenda, il annonce de plus en plus de balles, de fêtes ou de festivals, preuve que le musette est de retour en région centre. L'été dansant sont revenus, et c'est vrai qu'on danse beaucoup au son de l'accordéon, hein, ça, et puis le musette, entre parenthèses, que l'on appelle musette aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait celui des années 30, des années 40, mais c'est vrai qu'il y a cet engouement à nouveau pour l'accordéon, pour la danse, et puis pour ces valses, ces musettes, et puis ces passodobles et ces tangos, etc. Et puis aller danser, s'amuser, boire un petit verre de vin blanc, ma foi, c'est quand même pas désagréable. C'est un besoin, je crois que c'est un besoin. On t'écoute. Fans d'accordéon ou accros des parquets de danse, ils sont tous à l'écoute le dimanche matin. Prenez Monique, par exemple. Dès le petit déjeuner, elle est dans l'ambiance. Dès que c'est un air d'accordéon, c'est entraînant. Vous êtes heureux, vous planez dans un sens de joie, de plaisir. Vous sentez tout votre corps qui répond, qui s'accroche aux notes de musique et puis il suit les notes de musique.